Ah, la musique. Oups. Tan, tan, tan. Ah, c'est vrai que l'intro était assez stylé, hein. L'intro de la 4 et la 5G sont quand même assez stylées. Des rêves, des découvertes, l'aventure t'attend, toi et ton Pokémon. Incroyable! Bonjour, salut à tous, c'est Fildrong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Let's Play qui commence enfin, évidemment. Aujourd'hui, nous allons commencer Pokémon blanc en full random, mais pas seulement Pokémon blanc, étant donné que nous allons jouer à la version Voltoite. Voltoite qui est une version hardcore beaucoup plus compliquée de Pokémon blanc, évidemment. Merci beaucoup Boulet pour ton don. Le début d'une nouvelle épopée, merci beaucoup. Et du coup, du full random, de la difficulté, ça va être excellent. Et j'espère que vous êtes prêts. Merci beaucoup pour ton don, Aleph. Et nous allons partir du coup. Le jeu est en français, même si le menu ne l'est pas. Ne vous inquiétez pas. Merci Zippopotame. Le jeu est en français. La plupart des trucs devraient être en français, normalement. Donc, nous allons partir tout de suite. C'est le début du Let's Play. Je rappelle évidemment qu'il y aura bientôt le bug des 5 minutes. Alors, quand il y a le bug de 5 minutes... Au lieu de spammer bug, je vous rappelle évidemment, c'est très très simple. Vous rechargez la page, le bug des 5 minutes, je ne peux pas le contrôler, mais c'est comme ça, voilà. Hello, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Ketelir Tiriria. Tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Ah. Voilà, un petit schmouch-mouch. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident, et il leur arrive même de faire des grandes choses ensemble. Comme par exemple... Non, on ne parlera pas métamorphe. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires. Voilà, parlons plus de ça et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Merci Yukio pour ton sponsor. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue, hein. Parle-moi un peu de toi. Ah. Merci Ben Ratmin. Es-tu un garçon? Je suis évidemment un garçon, même si le design de la meuf dans cette version est quand même assez stylé. Un garçon, quel est ton nom? Mon nom est évidemment, comme vous le savez, Fifou. La suite des aventures de Fifou, c'est aujourd'hui. Alors, ce qui est bien dans cette version, c'est que tu peux mettre une petite émote. Donc, on peut mettre un Fifou qui rigole. Non, on va pas. Je sais même pas. Je sais pas. Hein. C'est Pokémon Voltoise, c'est beaucoup plus compliqué. On va voir. Hein. Allez. Ah, j'ai même pas Smash. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Ce garçon, c'est Cheren. Il est un peu spécial. Ma maman, elle dit que je suis spécial. Et cette fille, c'est Bianca. Elle est un peu... Elle fait de son mieux. J'avais oublié ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton dos. Elle est... Il y en a une, il est un peu... Il y en a... Bon, écoute, tes amis... écoute, Fifou. Tes amis, il y en a un, c'est un mongol. Et l'autre, elle est un peu teubée. Voilà, il n'y a pas vraiment le choix. Voilà. Une fine équipe, ouais, elle est spéciale. Et l'autre, il est voilà, bon. Je sais pas trop comment ça va se passer. Et comme j'ai confiance en vous trois, je vais vous confier à chacun un Pokémon. J'espère que vous en prendrez bien soin. Fifou, dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton plus fidèle compagnon, ton aventure va commencer. Et merci pour les dons. Tu vas rencontrer une centaine de Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. Oui, bah c'est mon chat YouTube, hein. Voilà. Et vous préférez Jojo ou One Piece? Non, c'était une blague. Ne répondez pas à ça, s'il vous plaît.
Oh, incroyable. Quelle qualité, hein, laquelle... le professeur hein, qui se détache, hein, d'une certaine manière. Allez, hop. Incroyable. Elle rentre, elle sort, hein. Parfait. Oh, la musique. Fifou, le professeur Keteleria m'a dit que nous allons recevoir des Pokémon. Bianca, elle est encore. Ah, voilà. Pupu, désolé, je suis encore en retard. Bianca, comment te dire, je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme qui en soyons francs plutôt lent. Oh, mais quelle pute! C'est aujourd'hui que le Pokémon Keteleria distribue des Pokémon. Mais j'ai dit que j'étais désolé. Bon fifou de Cheren. Ils sont où ces Pokémon? Ils devraient déjà aller chez toi. C'est toi qui vas choisir le tien en premier. Cela va sans dire. Dans cette boîte, 3 Pokémon nous attendent. Yo fifou, à toi de choisir. On va sauvegarder d'abord. Sauvegarder, comme ça on crée la sauvegarde. Et on va partir. Du coup, vous êtes prêts pour les Pokémon random? Ah oui, il faut que je fasse un straw poll pour que vous choisissiez qui je prends. Alors, les starters aussi sont aléatoires, hein. Tout est aléatoire. Allez, c'est parti. Bon courage pour cette run retardée. Merci, Farghost. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Attention! The Normal Type Pokémon Melo. The Normal Type Pokémon Poichijon. Oh! The Fire Type Pokémon Whistikram. Donc en gros, j'ai le choix entre un Pokémon qui va survivre 4 secondes, un Pokémon qui va survivre, qui pourrait survivre, hein, cela dit, ou Whistikram qui peut survivre plus longtemps. Bon, qui on prend? Qui? Alors, Poichijon, Melo ou Whistikram? Merci beaucoup pour votre soutien, les mecs. Allez, je crée le straw poll. Attention, je vais spammer dans le chat. Zébardi. Alors, je vous montre évidemment en direct que les modérateurs reprennent le truc, que je puisse arrêter de spam. Voilà, je vous mets évidemment le lien. Petite capture d'écran, voilà. Alors, moi, je vote pour qui? En vrai, moi, je vote pas. Je vote pas voter. Je clairement pas voter. Ah oui, d'accord. Merci pour ton sponsor, mais... Oui, bon, d'accord. Non, mais en même temps... Poichijon, Melo... Whistikram. C'était évident, hein, que... C'était évident, hein, je veux dire. Ah, s'il y avait eu un autre Pokémon un peu hype, je n'aurais pas dit, mais bon... Poichijon, Melo... Whistikram. Bon, on a vite choisi, j'avoue. Je prends celui-ci. Et pour Tyrène sera celui-là, évidemment. Ah, bah, il y a une phrase en anglais, voilà. Mais vous inquiétez pas, normalement, il n'y en a pas beaucoup. Never mind, je voulais celui-là. D'accord, ok. Bon, tout le monde a son Pokémon. Vous savez ce que ça veut dire, 1-1, c'est lors d'un combat de Pokémon. Ah oui, c'est vrai que dans le jeu direct, tu te bats. Hein. C'est pas parce qu'ils sont encore faibles qu'on peut s'autoriser ce genre de fantasy en intérieur. Mais non, tu connais rien, ils sont encore tout mimi et faiblards. Ah. Allez, Fifou, en garde. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre Pokémon? Dresseur Bianca, qui fait des trucs un peu bizarres. Merci, Trudeco. Ouh, Apiren, très bulky. Apiren contre Whistikram, c'est chaud du cul. Hein. Allez, on accroche givre. Ok, croche givre. Ça touchote même pas. Et doux parfum. On voit plus rien. Oh non, c'est bugué. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'arrive, les mecs! Vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Mais il est trop con, ce capture d'écran, là! Non, mais c'est ce capture d'écran, là! J'avais mal fermé! Voilà, j'avais mal fermé! Mais voilà, mais c'est pas grave! Il avait un Apiren! J'ai fait Crogivre! Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Il a fait doux parfum, on fait Crogivre! Bon, pour l'instant, ça va, hein. Ok. Bon, ça va, enlever. Revenant, est-ce que ça me tue? Parce que c'est 120 de puissance, hein. Ah! Si je rate, je suis mort. Merci d'être là. Le point parenthèse
Ok, c'est bon. C'est bon, la situation est sous contrôle, rassurez-vous. Wistikram qui a gagné le premier. Il nous faut un nom pour Wistikram d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos dons, les mecs. Merci de vendre du gueur. Allez, niveau 7. Pic-pic, sympa. Putain, il est trop bien. Crogivre, trancherbe. Pic-pic. Instant. Ok. Ok, on a fait le premier. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était le bordel. Allez, t'assure, j'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur. Tu vas regarder autour de toi, Bianca. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon, ils rigolent pas. Ils sont tout petits et mimi. Il faut que tu te fâches pas. Ma petite Bianca, prête-moi donc ton Pokémon que je le guérisse. Comment il fait pour guérir les Pokémon, ce gars? Et si tu faisais un duel avec Cheren, comme il est super balèze, il pourra se battre sans... Ouais, ok. Ce serait injuste qu'il y ait que vous deux pour profiter de Pokémon. Putain, mais Cheren, ce mec, il arrête pas de s'appéter, ça m'énerve. Merci Sora pour ton sponsor. Fifou versus Cheren, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, mais j'ai une attaque plante! J'ai eu une attaque plante! Attends, mais s'il a une attaque eau... Oh, peut-être... Je le one-shot. S'il te plaît! Mais c'est physique, trancherbe! Oui! C'est bon! Ça aurait pu être terrible! Mais c'est bon, c'est passé, ok. Il... Fumifère! Ok, parfait. C'est bon. La situation sous contrôle, rassurez-vous, on a battu Dresseur Cheren, c'est donc ça un combat de Pokémon. Et oui mon gars, j'ai goûté de manière imprévue à la défaite. Mais cette sensation, serais-je déjà devenu Dresseur? Il va falloir s'excuser auprès de ta mère. C'est vrai, moi aussi il faudrait. Ok. Oui bah oui, excusez-vous. Ouais. Putain. Putain! Une console Wii. Allez, nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre pour le rangement. Le rangement, quel rangement? Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Ma mère la victime. Si ma mère... Ah, j'avais invité mes potes à l'époque. Merci beaucoup pour ton don. Si j'avais invité mes potes à l'époque et que... on avait foutu le zbeul comme ça dans ma chambre... Je pense que ça aurait été terrible. Je pense qu'on serait resté et qu'on aurait fait le ménage, hein. Je dois repasser par la maison. Désolé pour le désordre. Allez, on y va. Oh, maman. Tu sais, j'ai grandi. J'ai 11 ans maintenant. Les combats de Pokémon, c'est quelque chose. J'ai attendu vos Pokémon Glapir depuis le rez-de-chaussée. Je me souviendrai. Faut que ton Pokémon puisse récupérer. Ok, bicyclette. Directement bicyclette. Ah oui, c'est parce que c'est Voltoid. Oui. Allez, file. Ouais, c'est stylé. Et je crois qu'on peut courir aussi. Oh, c'est trop beau. Ah non, je peux pas courir. Ok. Mais du coup, j'ai le... Allez, on va sauvegarder. Merci de nos donos. Comment je fais déjà? Je sais plus comment je fais. Merci beaucoup. Ah, oh, vous êtes vraiment... votre soutien est insane. Alors, elle est où l'autre? Elle est où l'autre pute? Il faut que j'aille trouver l'autre pute. Pardon, excusez-moi. Il faut pas parler comme ça de Bianca. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même... Tu me diras, il y a eu Tierno après. Donc, je veux dire, c'est pas si pire. Mais disons que c'est quand même top tier. Hein. Allô? Ah, elle est là. Papa! Non, et encore non! Moi, je suis un super dresseur et j'ai même mon Pokémon, je veux partir à l'aventure! Oh, Bianca! Ça ira, je vais attendre devant le laboratoire! Mais il empêche-la de partir, le père, là! Et ta responsabilité! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma fille veut partir en voyage avec Pokémon alors qu'elle se perd dans sa propre chambre! Les parents s'inquiètent trop pour leurs enfants. Mais pourtant, les enfants entreprennent souvent un voyage avec un Pokémon afin de devenir des adultes. Non mais ça va, faut arrêter au bout d'un moment. Ok. C'est un secret entre nous ce qui vient de se passer. Hey, Cheren, tu sais que sa mère...
On va voir. Salut! Oh putain, la musique, je vous attendais, mes jeunes amis. Laissez-moi faire les présentations. Je me nomme Professeur Ketelerian, nous connaissons votre nom. Chérène, je ne pensais un peu plus cool que ça, d'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour. Je suis le professeur Ketelleria et j'essaye de percer les mystères de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Magnifique. Petit Pokédex, vous avez déjà participé à votre premier combat? Ah... Oh, le sournant, c'est parti! Ah ouais, j'ai 14 ans, c'est bon. En espérant que tu ne te tapes pas les files d'attente pour Shadowlands. On verra bien. C'est quoi les règles de ton random, du coup, mis à part l'attaque et le poké? Merci beaucoup pour ton nom. Valou, non, attends, c'est de pire en pire là. Attendez, laissez-moi. Ah ouais. C'est bon, j'en ai un. Dédé. Ah mais j'ai pas les accents. Mais pourquoi j'ai pas les accents? Ok, c'est pas grave. Un nom qui fait, qui inspire la peur dans ses ennemis. Non, Jean Marmoud, ça passe pas! Oh, mais on peut l'appeler John Marmoud! Putain, mais oui. C'est parti, c'est bon, là! Bah là, non, tu vois bien que non. Je vois! John Marmoud! Ça te plaît? Oui! John Marmoud, c'est un surnom qui claque! C'est cool, merci pour ce moment. Merci beaucoup! C'est pour le Pokédex, n'est-ce pas? Le Pokédex? Ma parole, t'en as là-dedans, mon petit Chérène. On voit tout de suite que t'as passé ton temps à étudier les Pokémon. Ah ah! John Marmoud, évidemment, hein, qu'on embrasse. Je vous demande officiellement, partez à l'aventure et complétez le Pokédex. Oui, oui. Merci de votre confiance. Nickel, les enfants, voilà une réponse comme je les aime. Parfait. Comment capturer des Pokémon? Rendez-vous sur la route 1. Let's go. Le professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre service. Allez, je pense que nous pouvons voyager à notre 10 tant que nous complétons le Pokédex. Le fameux Pokédex hein, que je ne remplirai jamais de ma vie. Maman! Ah, vous revoilà! Ma chérie, je voulais te dire que... Tu vas tellement me manquer! Ah non, elle me donne juste des cartes, ça va. Moi, perso, si un jour je suis père et que... mon gosse part à 14 ans sur la route... comme un clodo. Je pense que je le prendrais mal, en vrai. Alors, n'en parlons même pas de 1 à 11 ans. Allez, je n'ai pas d'inquiétude à avoir s'il vous accompagne. Vous allez rencontrer plein de Pokémon. Vous visiterez des lieux fabuleux. Les voyages forment la jeunesse. En route. Allez, c'est parti. Ok. Le Pokémon de professeur doit nous attendre. Fifou, dépêche-toi. Oh, incroyable. J'ai toujours pas les... Comment? C'est quoi ma touche pour faire le vélo déjà? Attendez. Quel est le plan de vol? Attendez. C'est dans Tools. Config. Contrôle. Voilà, c'est là. Attendez. C'est Select, hein. Ah, c'est F? Non, attends. C'est Enter R. Enter R. Ou F. Ah ah! Wouhouhou! Let's go! Allez, c'est parti. Fifou, c'est par ici! Bianca dit que quitte à partir en voyage, elle préférait qu'on fasse ses premiers pas tous ensemble. Hey Fifou, si on l'allait ensemble à la route 1. Allez, c'est parti! Tous en cœur! Ouah, je me chante toute chose. Professeur Ketelleria, pardon de vous avoir fait attendre. Je peux commencer mes explications. Bon, ça on passe parce qu'on franchement, on s'en bat les couilles. On connaît les bails. Ok, c'est bon? Oui, on peut capturer un Pokémon dans la première zone, ici. Oh, vous êtes prêts? Le premier Pokémon de zone! J'ai une bonne idée. Mais écoutez un peu, si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture... Mais je m'en fous, je fais un Nuzlocke! Pute! Ok.
Ah oui, le talent. Ah oui, le talent, le talent, le talent. Alors, attends. Le talent de John Marmoud est... Pied véloce. C'est de la merde. Augmente la vitesse en cas de problème de statut, évidemment. Allez. Vous êtes prêts pour le premier Pokémon? 3, à 2, 1. Bah, quelque part, pourquoi pas? Obali, en vrai, Obali, c'est pas si nul, hein. Allez, B plus bas, c'est parti. Par contre, je peux pas le taper, sinon je pense que je vais le tuer. Ah, putain. Oui, il a point comète. C'est pas une attaque en plusieurs attaques, ça? Si. Si, en vrai, Obali, ça va. Mais en fait, je pense pas que je peux... Ah, mais si, Crogivre, il a une double faiblesse. Attends. Double résistance, ok. Oh, il a pas sport, c'est trop bien! Non, il m'a endormi! Coucroix! Mais, Obali, il est trop fort! Ok, merci beaucoup pour ton gros don. Merci beaucoup, ça va très bien. Allez, Obali! C'est le retour de Brutorex! Mais putain! Il a anti-soin! Bon, vas-y, on accélère un peu, là, parce que... Allez, 1. Mais ta mère, Obali! Bon, attendez, il faut qu'on... Il a flamme bleue! Mais attendez, mais il va me défoncer, en fait. Il faut que je... C'est bon, j'ai enfin envoyé les papiers pour indemniser mon arrêt de travail. Ah, bah GG. Mais en fait, il va me faire perdre le Nuzlocke, en fait. Allez, vite, vite, vite. Réveille-toi, voilà. S'il m'empoisonne, je dois fuir, en fait. Ok. Il fait trop mal, il fait trop mal. Ok. Mais il me reste une seule. Il me reste 2 balles seulement. Vas-y. Vas-y, Obali. Hein? Mais putain, il est incapturable ce Pokémon! Et il me fait des flammes bleues! Si je me fais empoisonner, je vais perdre en fait. Je peux pas, je suis obligé de tenter là, je peux pas le taper. Allez! Mais rentre dans la Pokéball, Obali! 1, 2, 3! Oui! Oh! Oh! Merci pour ton don! C'est bon, c'est bon! Oh! 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 C'est bon, c'est bon! Faut trouver un nom à Obali! Ah bah non, il a déjà un nom, il s'appelle Brutor. Non mais c'est pas le même celui-là. Celui-là c'est Brutas. Il y avait Brutor Rex et maintenant il y a Brutas Rex. Ah ouais, mais ça passe pas, Brutas. Si, Brutas Rex. Brutas Rex. C'est bon, c'est bon. Alors, il a pause sport. Mais c'est trop bien. En vrai, pause sport, c'est insane, en vrai. Putain, mais il a coup croix et flamme bleue. Mais c'est trop fort, en vrai. Flamme bleue 130 de puissance. J'ai plus de Pokéball. Mais c'est pas grave, j'ai eu le Pokémon. Donc, c'est le principal... Ah, il faut qu'on soigne. Ok. Les Pokémon sont tapis dans les hautes herbes, n'est-ce pas? Alors, il y avait quoi d'autre, là? J'ai un peu peur de mettre Brutas Rex en premier, mais bon. Jamais il vit. Arrêtez d'avoir peu de foi. Il a fait riposte, vite! Ah! Aïe, aïe, aïe! Non, Brutas Rex! Ah!
vécu. Oh, la mania qui va me... Aïe, aïe, aïe. Oh, ça fait tellement mal. C'est bon. Brutus Rex, il s'est fait insta-kill. Il s'est fait insta-kill. Premier combat, je pouvais pas fuir. Quel enfer. Quel enfer. Il est 21h30. Ah là là, pourquoi tu le mets en premier? Mais je voulais l'entraîner. C'est vrai que j'aurais dû vérifier d'abord ce qu'il y avait dans cet endroit. Ah, Brutus Rex, hein, qui marquera autant les esprits que Brutor Rex. C'est ça qui est bien, au moins, c'est que... Bon, attendez, je pense... C'est important dans un full random, c'est d'entraîner un peu ses Pokémon, parce que sinon... Sinon, c'est le bordel, hein. Putain, non, mais c'est abusé, en vrai. Vous savez que si, genre, il a une random attaque plante... Mais putain! Mais d'où? Mais j'ai perdu le Nuzlocke! Blada, émotico, triste, trop content de voir un nouveau Nuzlocke. Putain! Mais non, mais je dois refaire! Mais putain! Ah! Comment on fait déjà? C'est... C'est... bas, tac, tac, comme ça, je crois. Comment on fait déjà? Vous vous rappelez? C'est quoi déjà? C'est... Putain, je sais... C'est quoi la manip déjà? C'est... Comment on fait déjà la manip pour supprimer la sauvegarde? Quelqu'un connaît? Il doit y en avoir qui connaissent par cœur. Non mais c'est pas grave, on va refaire vite, c'est bon. Et je veux juste retrouver le truc, ça prend 5 minutes à refaire. OXB, ok. OXB. OXB. Non, c'est OSELECTB, ah oui. Mais je me disais aussi, c'est Hunter. Ok. Putain! C'est bon, allez, on est reparti, let's go! Salut à tous, c'est Vilrogue! Il faut changer de nom, du coup, hein. Faut changer le nom du Pokémon, hein, c'est très important. Sinon, on va... Allez, c'est parti. Non, c'est bon, fais ça vite. Je me suis fait défoncer. Mais putain, mais il avait Dracorage. Mais ça me fout la haine. Mais Dracorage, en plus, c'est la seule attaque, quoi. Ah, infernal. Ok, on a la même seed, je garde la même seed. Je garde la même seed, donc ça devrait être les mêmes Pokémon. Ah! Coup critique! Tiens! Tiens! Pute va! Oui, c'est pire que Vladimir! Attends, Vladimir, j'avais galéré aussi. Ok, juste pas se tromper d'attaque, hein. Ok, parfait. C'est bon. Bon, très bien. Ça, c'est déjà fait, c'est bien, ça va vite. Au revoir, maman. Faut un nouveau nom, parce que clairement, John Marmoud ne pouvait pas nous carry. Et il faut juste que j'évite aussi ces putains de Pokémon. Non, mais c'est abusé, en vrai. J'espère qu'on va pas l'avoir en premier Pokémon de zone, sinon ça va être terrible. Ah merde, c'est vrai. Alors on galère, mon petit fils. Non, c'est faux, je galère pas. Oubliez de
vendra courage en early dans une ROM random, terrible erreur. Ah oui, bah oui, j'aurais peut-être dû bannir certaines attaques, c'est vrai. J'avais oublié. Non, attendez, il s'appelle pas AA. Ok, il nous faut un autre nom, un nom qui va. Dédé. Dédé Poil. Putain, parfait. Dédé Poil, c'est très très bien. Mais attendez, il faut l'espace. Dédé Poil. Non, mais je me suis fait défoncer là. Dédé Poil, ça me va. Ça suffit. Vous allez voir, une fois que t'as passé le début, c'est plus simple. Allez, c'est parti. Ok. Nanana. Ok, ok. Merci beaucoup pour vos dons. Mais putain, ça me saoule. Mais attendez. Mais oui, c'était encore un putain de Rhinastock. Mais le Rhinastock, c'est vraiment le diable. Mais c'est le Shaitan. J'avais même pas fait gaffe. Mais c'est encore Rhinastock. Mais c'est pas possible, ce Rhinastock, j'en peux plus. Mais j'avais même pas fait gaffe, j'avais même pas pensé. Putain! Merci, Orbe Tourbillonneau. C'est bon, on est revenu au même niveau. Ouais, mais... Si je me tape un Dracorage... Oh! Oh! Raichu! Raichu Brise-moule! Ok, on l'affaiblit. Crogivre. Au moins, j'ai gardé mes Pokéballs. Pute. Mais tout, j'ai one-shot Raichu. Mais il était niveau 3. Putain, j'étais en mode bon. J'ai une potion. Ah, oh, Obali. Tiens. Pute, va. On va pex un peu. Oh là là, mais lui, je lui fais zéro. J'ai raté mon attaque. C'est bon. Et niveau 11. J'aimerais bien avoir 40 points de vie pour que si je rencontre un Rhinastock... Attendez, il faut que j'enregistre le truc. Non. Allô ? Bah, le performant, merci beaucoup. Il faut qu'on aille se soigner. Putain! Mais putain! Raichu, ça aurait été trop bien, mais putain! Mais j'ai tellement pas de chance! Allez, donne-moi un truc là que je peux one-shot. Oh, il y avait des Quillfish aussi. Avec alerte. Oh, avec alerte neige, Quillfish, c'est de la merde. Évidemment. Si le Rock Boulet m'avait tué, les mecs, ça aurait été le truc le plus nimble du jeu, quoi. Merci Rhinastock. Il avait Rock Boulet sur Quillfish, putain. J'en peux plus de ce jeu de merde. Mais pourquoi je fais des full random à chaque fois, je me fais enculer. Ok, c'est bon, je suis vivant. Toujours debout, comme dirait Renault. J'aimerais bien avoir assez de PV pour passer Rhinastock. Il y avait Cacnea, il y avait plein de Pokémon cool en vrai. Mais là, j'aimerais bien le rencontrer là, parce que là, je pense, je vais le one. Et comment je passe ça? Comment je passe ça maintenant? Ah, mais je. Oui, le pied brûleur. Haha, Régistile! Régistile, Rayon Lune, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Mais c'est marrant, ce jeu. Ah, Vildrong, vraiment, on rigole bien. Ah, tiens, le freeze, Toujours pas 40 points de vie, mais bon, on va y aller, parce que... Ok, c'est bon.
Allez, allez, on est parti. On va dire que niveau 12, ça ira. Non, seulement les talents et les attaques sont random. Super. Sinon, putain, mais en vrai, non, mais c'est trop dangereux. Il faut que je fasse évoluer mon Pokémon, en fait. Il a éclair gelé. Non, mais ça suffit, là, maintenant, là. Ok. On se calme. La situation est sous contrôle, les mecs, vous inquiétez pas. On n'a pas de Pokémon, mais on a un Pokémon niveau 12. Ça devrait passer. Ok. Oh non, mais il y a Chiren. J'espère qu'il veut pas m'affronter. Fifou, tu peux te mesurer à Bianca, j'ai deux Pokémon. Non mais attends, mais sérieux? On compare qui a le plus de Pokémon? Oui. Voilà, c'est toi qui as gagné. T'as toujours que ton Mostillon, si t'attrapes pas... Tant que j'y pense, en consultant le Pokédex, il est possible de vérifier le nombre de Pokémon. Oh non, putain, j'avais oublié le Vokit! Ah, c'est horrible, ça. Hey, vous m'entendez bien? Et moi, je suis comme ça. Je reste toujours comme ça. Je vous entends au centre Pokémon. J'aimerais vous le faire visiter. Allez. Ok. N'oublie pas de faire 10 fois le tour de L. Oh, la musique par contre. Oh, le kiff. Cette musique. Merci beaucoup pour ton don. Hello Fifou, parcourir les routes avec ses Pokémon, c'est cela la joie d'être dresseur. Oui, bon. Ah oui, il y a la musique, c'est vrai, il y a la musique qui est trop cool. Eh, les médailles, c'est dans Pokémon Noir 2 Blanc 2 ou dans Pokémon? J'ai dit de parler à la dame, merde. Bon, ça, on sent... Allez, c'est... C'est les boutiques... C'est bon? On peut s'en aller? C'est bon. Pam, pam. Il se passe quelque chose sur la place! Oh, c'est N! C'est, merci, c'est vrai que j'essaye d'être beau. Thierry de Fifou, viens un peu par ici. Oh mon dieu! Ils ont vraiment une tête de merde! Oh oh, c'est Gettys. Écoutez-moi bien, mon nom est Gettys! De la team Plasma, je suis venu vous apporter la bonne parole, celle de la libération des Pokémon. Hein? De quoi? Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon, au nom d'un partenariat mutuel et d'acide, d'une entraide naturelle et indispensable. Mais c'est ce que pense le plus grand nombre. Les gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Putain, mais Gettys, c'est Trump! L'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes. Ne les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes? Pis que tous les dresseurs, ils avaient service leurs Pokémon, les accablant d'ordre. Ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs, taillables et corvéables à souhait. Si je ne dis pas la vraie stricte vérité, que quelqu'un ose me contredire. Je sais pas, oula. Or donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Nous avons tant à apprendre d'eux, et notre devoir en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas? Les libérer? Oh là là. Parfaitement, nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif de libérer les Pokémon. À cette seule condition, Pokémon et humains pourront pour la première fois vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien, et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les... Oui, mais les Pokémon sont... Non, bref. Ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à leur douce vie qui leur est naturellement échue. Ainsi se termine ma déclaration. Que la paix soit avec vous. À plus. Magnifique. Vraiment, il a pas tort. Je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. La libération des Pokémon, c'est du grand n'importe quoi. Oh, il y avait N dedans. Oh, mais non, mais attends, mais je dois combattre N. Oh non, s'il te plaît, pas tout de suite. Ton Pokémon, il m'a parlé. Dis-moi, tu es bien direct. Un de mes Pokémon parlerait. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Il a parlé, oui, les Pokémon parlent, mais vous ne pouvez pas les entendre comme je vous plains. Je m'appelle N. Moi, c'est Chiren. Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex. On s'en bat les couilles, mec. Le Pokédex voulait séquestrer d'innombrables Pokémon dans des Pokéballs. Je suis dresseur tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi? Fifou, laisse-moi entendre ce que pense ton équipe Pokémon. Eh, mais là, il le met où, son Pokémon? Dans son cul, du coup? Parce que il... Si c'est pas dans des... Oh non, mais je suis foutu.
Ah mais je suis foutu. Non mais je suis foutu de chez foutu. Il a trois Pokémon. Ok. Dédé Poil, it's your time to shine, guy. Oh putain, je fais zéro. Oh putain, il fait honte folie. Eh ben, c'est la fin. C'est la fin du live. J'ai une potion, c'est ça, hein. J'ai une potion. Laisse-moi écouter une nouvelle... J'aurais dû level up mon Pokémon. Et voilà, évidemment. Ah, je crois qu'il a deux en attaque spéciale. M'empoisonne pas, s'il te plaît. Hein. Mais... Ah. Excusez-moi. Eh bah super, ça va finir vite. Coup critique, s'il te plaît. Abusé. Putain. Mais c'est impossible, ce jeu. Je suis obligé de me soigner. Mais j'ai une potion, c'est ça, hein. Oh, j'aurais dû en acheter. Si j'en avais acheté, j'avais peut-être une chance. Radova fait beaucoup trop mal. Il m'a mis un coup critique, en plus. Putain, c'était... Ok, attends, peut-être les deux autres Pokémon. Tout doudou, c'est Osef. Tout doudou, je peux peut-être le one-shot. Trouille. Ah, mais je prends trop cher. Pic-pic, c'est ma meilleure attaque pour ne pas rater. Ah, putain, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Niveau 13, ça n'ira pas, ça ne suffira pas. Putain, mais s'il m'avait pas empoisonné, ça passait. Tritozan ! La double faiblesse ! La double faiblesse à Drocherbe ! C'est bon ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! La double faiblesse plante sur la fin ! Le clutch ! Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon. Et pour eux, je dois changer le monde. Oui. Quel drôle de bonhomme. Mais bon, ce n'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Oh mon dieu. Oh, c'est passé, c'est passé. La double faiblesse tout à la fin. Quel enfer. Sauvez-moi de ce jeu, il est trop difficile. Je sauvegarde. Ok, il nous faut une équipe, il nous faut une équipe, parce que là c'est trop chaud, c'est trop chaud. Ok, il n'y a pas des objets... Attendez, déjà on va aller acheter une... Déjà il faut qu'on aille acheter des potions. Il faut qu'on aille acheter des potions. Parce que là clairement ça va être compliqué sinon... Ok, des potions. Non mais... Ok. Ok. C'est bon, c'est bon. Oh, ça c'est des lettres de merde. Ok, les potions c'est fait. Les Pokémon sont soignés. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Faut qu'on fasse la deuxième zone, ouais. On va augmenter un petit peu les sprites. Allez, augmenter tout un tout petit peu. Déçu. Quel paysage. Sauvegarde un peu parce que le jeu est un peu lent quand même. Mais c'est bien comme ça. 1,5, c'est bien. Ok, il joue un air de musique, mais... Mais c'est là où il y a... C'est comme ça que tu rajoutes les clap-clap. C'est ça. Trop bien. Il y a des Pokémon à l'appel. Ok, allez, vas-y, on va à la route 2, là. On va à la route 2, let's go. Par contre, c'est normal que je puisse toujours pas courir. C'est quand que j'ai les... Mon bébé, c'est maman. Ah, voilà.
Mon bébé! Ah, elle était là! Ça y est, elle va me donner les... Ah oui, c'est bon. Bah voilà, bah... Fildrong, trop fort. Enfin! Enfin! Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. Ça, c'est la première dresseuse. On ne peut pas en fuir. Ok, Pokémon de zone, let's go! Alors ça, c'est hyper fort, c'est hyper fort. S'il survit, c'est hyper fort. Ok, faut pas que je le tue. Comment on fait? Comment on fait pour pas le tuer? Merci beaucoup pour ton don. J'espère heureux que ça vous plaise. C'est le retour de... Comment il s'appelait déjà? Je sais plus comment il s'appelait. C'est trop fort ça, ouais. C'était B plus bas, c'est ça, c'est B plus bas. C'est B plus bas, B plus bas. Va-t-il réussir à évoluer? Parce qu'il faut qu'il évolue d'abord. Hein. En attendant, ça va être compliqué. Hein. Mais si j'arrive à le faire évoluer, il a quoi comme talent? Et là, il a son talent. Non, il a Minus. Mais Minus, c'est tellement plus fort que ce qu'il avait par défaut. Ok. On va voir un peu d'abord ce qu'il y a dans les herbes avant de mettre le Pokémon en premier. Hein. Je peux le tuer ou pas? Boreas! Bah alors, on fait moins le malin? Boreas! Bon, par contre, je peux pas vraiment entraîner mon Pokémon. Hein. Ça va encore une fois, un Dracorage, je suis mort. Hein. Il a fait ruse, ça va. Oh, je lui fais zéro. Non, tire, c'est super efficace. Ah, c'est bon, il fait ruse. Il est plus rapide que moi. Oh putain, il a raté. Il faut que je me soigne, il faut que je me soigne. S'il fait des anti-herbes, je vais mourir. Ok. Oh putain, les dégâts qu'il fait! Tu peux faire une autre attaque, s'il te plaît? Que anti-air, là, 8 fois? Merci. Mais putain! Merci! C'est bon. Ok. Tout ça pour... Oui! Oui! Oh, j'en avais tellement besoin de l'évolution! Oh putain, oui, ça va tellement m'aider parce que mon Pokémon pourra plus tanker et tout. C'est bon, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Oh! Chimp en feu, c'est bon, on a Chimp en feu. Il va prendre Cruel en plus, mieux que Pic-Pic. Est-ce qu'il a un autre talent du coup? Je sais plus comment ça marche. Sécheresse, oh! Ok. C'est quoi son talent? Putain. Mais! Laissez-moi! S'il vous plaît! S'il vous plaît, les amis. Merci, ok. Ok. Alors, j'ai quoi comme nouveau talent? J'ai EKSP! Oh! C'est pas mal, EKSP, non? Qu'est-ce que vous en pensez, EKSP? Bon, allez, on va essayer d'avancer. C'est pas full random. C'est impossible de faire du full random. Pur. Tu peux pas avoir un lancer de dés à nouveau, pas sur les jeux DS. Donc c'est le plus proche du full random que tu puisses avoir. Mais c'est ce que j'ai fait sur Pokémon X et Pokémon... C'est comme ça qu'on a joué à Pokémon X et c'est comme ça qu'on a joué à Pokémon... le premier combat de dresseur. Et c'est comme ça qu'on a joué à Pokémon... je vais y arriver. Pokémon Platine. C'est comme ça qu'on avait joué à ça. Allez, ok, Mega Volt.
Tip Gun. Merci beaucoup. Crocolarme. Ouh là là, ça peut être très dangereux, ça. Merci d'être aussi nombreux, les mecs, c'est ouf. Merci beaucoup. Allez, hop, la cruelle. Niveau 15. Allez, allez, peut-être avec des dépoils, on va pouvoir le faire. Pfff, Aspico. Aspico Head Smash, c'est parti. Mais de toute façon, le... Après l'échec du premier Nuzlocke, Quanton... En vrai, s'il a une attaque haut, c'est chaud, mais ça devrait aller. Et le truc, c'est que Dédé Poil est vraiment fort. Dédé Poil, let's go, t'es super balèze. Ok, next. Faut marcher sur le chemin, oui, ok. Quand elles se battent, elles sont encore plus mignonnes. Ouais, bah oui, c'est ça. Allez, Kaiminus. Putain, Kaiminus, c'est stylé aussi. Trancherbe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de dresseur avec des légendaires. Ce qui est plutôt agréable. Pourquoi je sais pas fermer ma gueule? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je suis incapable de fermer ma gueule? Tiens, t'es mort quand même. Voilà, c'est pas grave. C'est bon. Ah, par contre, ça fait tellement d'XP, c'est bien. Coupe-vent. Coupe-vent, c'est quoi? C'est de la merde. C'est de la merde. Tu me diras, c'est... Ah bon. Mimitos. Faudrait qu'on entraîne... Ok. C'est quoi ça? Merde, j'ai pas vu qui c'était. En vrai que c'est cruel ma meilleure attaque maintenant. Hein. Ok. Fillette Mali. Y a pas des trucs là. J'aimerais bien entraîner. Ok, donc. Là, je sais que ce truc ne touche pas. Ah mais attends, mais en vrai c'est stylé. Je viens de remarquer, mais attends. C'est quoi mon autre attaque déjà? Non, il a glace soin maintenant. Attends. J'ai détrempage écosphère. Ça veut dire qu'en gros, mon B plus bas, il peut avoir une attaque super efficace sur tout le monde. C'est génial. Ah bah voilà, bah super, super. Il m'a détrempé. Mais c'est énorme en vrai. J'avais pas remarqué, mais en fait, c'est trop fort. Genre, je peux transformer tout le monde en type O, et ensuite, je peux les tuer avec Energy Ball. Okay. J'essaye d'entraîner un peu les pokés. Ponchio, alors on va voir c'est quoi son Ponchio, attention vous êtes prêts pour le Ponchio? Ah ouais, 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 gros ton Ponchio, ouais. Gros Ponchio, hein. Gros Ponchio, ouais, allez. Parfait. J'ai un peu peur de faire ça, franchement j'ai un peu peur, mais bon, il faut bien qu'on... Faut bien qu'on commence, quoi. Je suis obligé aussi d'entraîner un peu mon Pokémon. Mais j'ai un peu peur, je vous... C'est les soldes sur flamme bleue, hein. C'est les soldes sur flamme bleue. Il y a 35 en attaque spéciale, paraît cool. Oui, bon... Toudoudou! Oh, vous êtes prêts? C'est parti, le combat de titan! Toudoudou contre B plus bas. Regardez, regardez, regardez. Détrempage. Il prend le type O. Oh là là, incroyable. Oh non, il a voile miroir. Bon, on va dire que on fera ça plus tard. Oh, il a demi-tour. Trop stylé. Merci le chat. Shane. Ok, bon, ça va. Imaginez si j'avais fait directement l'attaque. Heureusement que je voulais vous montrer la stratégie. Hein. J'ai eu tellement peur. C'est bon, tout va bien, tout va bien. La situation est sous contrôle, rassurez-vous. Gamin Raymond. Putain, on est de niveau 17 déjà. Là, il faut couper. Pierre Stase.
Pierre Oval. C'est normal ça ou... Eh oh Fifou! Salut toi! On fait un combat de Pokémon? Allez on y va. D'accord, quelle pute! Mais genre, t'imagines là si j'étais mal dans ma vie là, au niveau du... Ah. Enfin, heureusement qu'on est au niveau, hein, parce que franchement... Putain, s'il a une attaque psy! Tue-le! Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, on tue tout. Oh, l'acmé signe! Oh! J'ai des faiblesses à tout! Oh, c'est bon, il a fait l'âme sainte. Oh, 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 oh! Ça me stresse beaucoup trop, le full random, j'avais oublié! Je suis en stress permanent! J'ai pas réussi à te battre. Connasse, va. Tu rigoles pas. A plus. C'est pas ici qu'on est supposé avoir le Pokémon... Super balle. Okay. C'est pas ici qu'on a les Pokémon, là, vous savez, les anti-lead. On va voir. Les singes, c'est pas ici, les singes? Je crois que c'est là, les singes, hein. Je sais plus comment ils s'appellent, là. Vous savez, les Pokémon les plus OZEF de la Voie Lactée. Pas là. Certains Pokémon, d'autres non. Okay. On se soigne. Ok, on va racheter des potions, je pense. C'est au vestige du rêve, d'accord, je me rappelle plus où c'était. Alors, du coup, le champion, il n'est pas là, mais à l'école du dresseur. Ok. Mais c'est pas ici je... Ah, mais il y a Tyrène. Tiens, Pokémon, c'est PV. Ok, super. On est venu se frotter au champion d'arène. Que dis-tu dans le manuel? Allez, c'est parti. Peut-on se battre sans les objets? Il va avoir des objets, c'est parti. Ah, mais franchement, les Pokémon font peur. Hein. Faites-moi penser à acheter des antidotes. Heureusement que je peux spammer cruel. Putain, j'aimerais bien avoir une attaque combat quand même. Hein. Niveau 18 par contre déjà. La poreille. Ok, la poreille, on le tente avec B+. Bah, c'est parti. Ah, il est niveau 12. Ah non, mais c'est mort. Ok, cassons-nous. Oh, j'espère que j'ai... C'est bon, brouhaha. C'est stable, cela dit. Oh, ça va, ça fait 0. Ok. Allez, cruel. La Béoran. Et le brouhaha. C'est bon, ça passe. Fait mal, hein, le brouhaha du Laporeille, hein. Putain. Yes, B+ bas, prends glin de soin. Voici une baie. Quoi? J'ai eu la CS1. Ah oui, parce que j'ai randomisé les objets. Non, ça va être important. Mais attendez, mais... Mais attendez, mais ça va pas être le bordel du coup? Total soin. Mais non, mais attends, mais il y a des trucs qui sont buggés. C'est quoi ce bordel? J'ai eu la CS coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne comprends plus. Oh, ils sont là, ça y est, ils sont là, là. C'est les trois dessins, là. Oh là, ça se trouve, je vais être bloqué. Bon, attendez, on va voir. Je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es? C'est pour un combat à l'arène. Je peux te demander à quel Pokémon as-tu en premier? Il n'aime pas le type plante. Ah oui, j'ai pris Moustillon. Allez, je t'attends à l'arène. Ok, on va au vestige du rêve, c'est parti. Tu vas être bloqué. J'ai un peu mongolisé.
À quel moment je suis supposé entraîner mes Pokémon, moi, en fait? Parce que bon... Oh, putain. Oh. S'il avait eu une attaque super efficace sur moi, en vrai... Oh, il avait boom final! Le gros troll. Aéropic, c'est mieux que Cruel. On peut le mettre à la place de Fulmifère qu'on n'utilisera jamais. J'espère que les CS sont pas random. Hein. Oh putain, Waylord. Bah non, fais-toi plaisir. Et il a fait dépit, ça va. Jamais, parce que j'ai déjà fait Pokémon Reborn en live. Quelle nature. Ok. Allez, c'est bon. Oh, c'est bon. Situation sous contrôle. Oh, c'est quoi la probabilité? J'avais pas vu qu'elle avait d'autres Pokémon. Oh non. Acide, c'est bon. Merci, Swings. Ok. C'est bon, c'est bon. La ligne ou Stigma. C'est vrai, j'ai appris combien d'attaques de type vol en vrai? Attendez, j'ai appris pic-pic. Ensuite, j'ai appris coupe-vent. Puis cruel. Puis aéropic. Quel bordel. Change de poké. Bah ouais, il faut que je change de poké, mais il faut que j'entraîne mes Pokémon en fait. Je vais essayer avec lui. Ah non, mais c'est du suicide, les mecs. Bon, je le tente pour vous. Hein. Je le tente pour vous. Gamin Farouk. Oh, ça va recoule. C'est bon, c'est bon. Recoule, ça va, c'est facile. C'est vrai qu'il y a tellement... En 5G, il y a tellement d'attaques fortes. Bon, ça va. Mais je pense que... Je sais pas en vrai. Je pense que ça doit être amélioré. Wistik Ram. Il te faudrait un Lamantine. Attends, quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je me rappelle... C'est quoi cette histoire? C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, c'était quoi cette histoire là? Pourquoi elle me donne un Pokémon? Niveau 10. Un petit Lamantine mauvais rêve. Avec Gicletto stabé! Attendez, je vais utiliser Gicledo. C'est pour un ami. Mais attendez, j'ai Gicledo stabé. Attendez, mais c'est n'importe quoi. Attendez, je veux. Comment on fait? Passer. Pour l'instant, je peux pas passer, c'est ça, hein. Ou je peux passer et je suis con. Non, je peux pas passer ici. D'accord. Bon, ça va alors. Là, je peux pas passer. Donc là, j'ai juste eu un Lamantine. Ah, c'est ça, Flamajou. Ah. Ok. Attendez, je vais essayer Gicledo. C'est parti. On essaie Gicledo. Oh là, Gicledo. Oh non, mais il a sécheresse. Bon, c'est pas grave. Mais c'est mon putain de Kyogre! Ta coupe! Mais je peux pas l'utiliser! Non mais les mecs. Ça va par contre? Je
Il est allé à boire. Mais arrêtez de spammer que j'ai coupe. Vous avez jamais joué à Pokémon? Tu peux pas activer les CS avant d'avoir le... avant d'avoir le badge. Putain, mais... Oh oh. Il a peau sèche. Et Dracogriffe. Si tu peux. Vous êtes sûr de ça? Oh, Écosphère, mais attends, mais il est trop fort! Bon, attendez, on va aller voir, mais... Coupe. Oh, mais c'est type plante dans cette version en plus, j'avais oublié. Allez, B plus bas. On va voir. Merci beaucoup pour ton sponsor, mec. On va voir, on va voir. Calmez-vous, on va voir. C'est bon. Calmez-vous, on va voir. Allez, c'est parti. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir. Si on peut... Si on peut et que j'ai dit qu'on pouvait pas, je vous fais des gros bisous. Ok, on peut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, mais du coup, je vais me retrouver dans une zone où je suis pas du tout supposé être. Mais attendez, mais je vais me faire défoncer. Non, mais attendez, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, là? Non mais les mecs, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée, hein. On est d'accord, c'est vraiment pas une bonne idée. Ok, c'est bon, il est niveau 11. J'ai eu tellement peur! S'il avait été niveau 20, j'étais tellement mort dans ma vie! J'étais tellement mort! J'ai eu tellement peur! J'étais en mode putain, un légendaire! Si, ici. Non, j'ai pas serré les fesses. Non, c'est fou, je me suis pas fait dessus. Non, vous avez mal vu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai eu feu sacré! J'ai eu feu sacré! J'ai eu feu sacré! Sur des poils! J'ai eu feu sacré! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai eu putain de feu sacré! Mais j'ai déjà fait la zone, c'est là que j'ai eu la mantine, bande de couilles. Cruel a été augmenté. Mais putain, mais les dégâts... Attends, les dégâts de plein d'attaques ont été changés. Ok. Quel bordel! Quel bordel, ce jeu! Version Wish. Mais c'était pas une zone, bande de couilles! Ok. Mon dieu, putain! Feu sacré! C'est ouf, en vrai. C'est bon, là, c'est tout ce que je peux faire au début, c'est ça, hein. C'est calcination, normalement, ici, putain. Ah non, mais non, c'est pas fini du tout. Enroulement. Mais attends, mais je suis pas du tout supposé... Mais attends, mais en plus, vous savez que... En fait, le truc, c'est que j'ai random aussi les CT. Ah putain, si je peux avoir un Pokémon qui peut apprendre enroulement. Tellement fort. J'ai vu ces... Ok. Ah c'est de pire en pire. Rebond, ok. Bon, par contre, on est d'accord que... Comment je vais, là? Comment j'y vais, là? Par en haut, peut-être? Comment on y va? Oh, le feu sacré, c'est parti!
Ok, tout va bien. Par contre, comment on va sur la zone à droite, là? C'est après la ligue. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bon, on a le temps. Oh, mon Dieu! Oh, on est bien parti là, hein. Ouais, je pense qu'on est... Si on arrive à tanker le début de la game, je pense qu'on est bien parti. Ok. Allez, pour l'arène, let's go. Je suis Guido, le guide des dresseurs. Merci encore de relever ce challenge. Eau fraîche. En fait, les objets importants, j'ai l'impression que c'est des vrais objets. Ah oui, il faut mettre les faiblesses. Oui, merci, t'as raison, c'est vrai. Faut mettre contre quoi quelque chose est fort, oui, c'est ça. Abusé. Mais vous savez quoi? J'ai très très peur du karma. J'ai très 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 peur du karma, là. Et déjà, alerte neige. Cap humain. L'Amandine. Merci beaucoup. Oui, oui, j'avais déjà eu un Pokémon dans la zone. C'était pas... Le Cobaltium n'était pas une zone. Attention quand même à Musharna. Hein. Enfin... C'est ce que je dirais si j'avais pas un putain de stab à 150 de puissance. Abusé. Mais genre, j'ai une des meilleures attaques feu du jeu. Tu devrais entraîner tes autres Pokémon. On les entraînera petit à petit. Mais... B plus bas délaissé. Non, mais on va les entraîner, les mecs. C'est bon, rassurez-vous. Oui, c'est ça. Comme dit quelqu'un dans le chat, fermeté plus voile miroir, ça arrive souvent, hein. Rappelez-vous le nombre de Pokémon que j'ai perdu sur des full random bêtement comme ça. Est-ce que je tente qu'est-ce qui se passe? Allez, on tente qu'est-ce qui se passe. Je serai votre plat de résistance. Allez, tu vois, l'adversaire peut avoir des Pokémon assez vénères hein, aussi. Oh, par contre, la giclée d'eau. Oh! Ah! Hi! Oh! points d'XP. Par contre, ça fait zizir de ouf. Malos. Oh là là, par contre, non mais... Giclée d'eau, là. Oui, voilà. Lagron. Enfin, ça m'est arrivé tellement de fois, en vrai, toutes ces arnaques que... Bon. Vous vous rappelez Giratina? Vous rappelez mon Giratina? Voilà. Boostiflore. Ah non, c'est pas une bonne idée, Boostiflore. À chaque fois que tu prends la confiance, le jeu te punit. Exactement, oui. Oh, yoga. L'attaque que j'ai pas vue depuis un milliard d'années. Mais moi, j'ai fait sacré, mec. Paf! Stylé de chat Facebook en fond. Excusez-moi. Donc là, c'est le champion. Oui, c'est ça. On va soigner vite fait. Les sprites. On fera ça après. De toute façon, on va entraîner les Pokémon après le live. Un peu au minimum. Bon. Ok. Attendez, parce que ça va tellement vite de se faire arnaquer sur ces trucs. Franchement, les mecs... Ça va tellement vite de se faire arnaquer dans ce putain de jeu. Surtout au début. Moi, c'est Armaldo. Moi, c'est Noah. Oh, Noah! Il y a moi, j'aime le type plante et je m'appelle Rachid. Je pense que tu te demandes pourquoi on est trois. Pitié, laisse-moi faire. On est trois. On choisit qui va se fighter en fonction du premier Pokémon. On est comme ça. Parfaitement. Le premier Pokémon que tu as choisi du type eau.
Je crois que ça veut dire que c'est moi le type plante que tu vas affronter. Ok, super. C'est parti. Si tu veux bien, on va s'affronter en tout bien tout honneur. Let's go! Premier badge! Enfin, premier combat. Oh non, c'est un combat rotatif! Il a 6 Pokémon! Quoi? Merci beaucoup! Ouais, par contre, je vais juste spammer les feux sacrés, je pense, hein. Je pense qu'on va faire ça. C'est bien pour les levels, ça. Coquille perle. Ah ah, je l'ai anticipé! J'ai anticipé! Ils sont pas foutus de ne pas switcher. Il a l'avantage du type, mais il va jamais switcher, le gars. Jamais il va switcher. Jamais il va switcher. Enfin, jamais... Oh, Arcanin. Ah, mais ça n'a pas intimidation dans cette version. Regardez, il va encore switcher. Oh, non. Oh, mon attaque spéciale, ta mère. Oh, il a potion. Bon, ça va. Enchère. Ok. Attendez, j'ai peur parce que là... Bon, je suis très haut niveau, donc ça devrait aller. Allez, mais plus bas. C'est les rocs. Ah, c'est les rocs. Oh. Ok. Attends, comment on fait déjà? Comment ça marche? Ah oui. Oui, c'est vrai. Allez, gicle les dos, c'est parti. Oh. Oh, le Arcanin. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors. Oh, on spam, hein. Oh. Gicle les dos. Quel enfer pour l'adversaire. Oh, la musique qui change et tout, mais j'ai Écosphère. Au revoir. Oh mon dieu. C'est trop triste. L'adversaire, je l'ai atomisé. Il m'a pas affiché un point de dégâts. Tu as beaucoup de force. Oh là là. C'est parti, le mind game. Et je les ai anticipés, hein. Incroyable. Ça, quel plaisir. Le badge triple. Oh, des tricanons. Des tricanons en CT, putain, mais abusé. Ah, par contre, c'est soit... Ah non. Oh là là. Eh, c'était encore 70 de puissance en 5G. Je me rappelais pas de ça. Ah bah, je suis pas si sûr que ça m'intéresse, finalement. Oh, mon dieu. Ketelaria m'a demandé de te donner quelque chose. Allez. Oh, mon dieu. Vous voulez trouver tous les Pokémon? Les escaliers sont juste là. Ma chambre est là-haut. Je suis Oriz. Laisse-moi t'offrir. Ah voilà, il m'a donné Blabla Dodo. Ah mais c'est parce que j'ai déjà coupé peut-être. Oh putain, j'ai tellement peur en vrai. J'ai tellement peur que mon truc soit niqué. Oh mon dieu. Je vais me faire niquer mon... Je vais me faire niquer mon... Je vais me faire détruire mon Nuzlocke. Ça sent très mauvais. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà? J'espère que ça ira. Hein. Connais-tu les CT? C'est vrai que c'est à partir de cette génération que... Attends, qui me cherchait? Oriz. Mais quoi? Mais j'ai vu déjà. J'ai déjà vu Oriz, putain. Oh non, mais ça se trouve, ça va bugger. Ah oui, non, c'est ça, c'est parce que je dois aller dans la brume des rêves. J'ai tellement eu peur. J'ai cru qu'il y avait un bug avec le fait qu'elle m'avait pas donné coupe ou je sais pas quoi. Allez, c'est parti. Ah mais non, mais maintenant j'ai coupe, c'est ça. Donc maintenant là, je suis supposé pouvoir y aller. C'est bon.
Ah, Bianca, oui, c'est vrai, c'est elle qui capture le Muna, je me rappelais pas. Ah oui! Alors, vous allez voir que ça va pas du tout être un Muna. Attention, vous êtes prêts, le Muna? Mais attends! Oh non! Muna trouvé! Tu vas cracher ta brume des rêves! Una! Vous voulez quoi? Qui nous sommes? La team Plasma, nous nous battons nuit et jour pour libérer les Pokémon. Ah bon? Non, il est bien la leçon du jeu, là, normalement. Vous le montrez aux stupides humains, un homme, un monde où les hommes soient libres. Mais merci pour vos dons. Merci le Axe aussi. Mais putain, il tape dessus! Quelle salope! Vous êtes des monstres! Nous sommes des dresseurs, nous nous battons pour des raisons différentes de la libération des Pokémon. Nous gagnons des combats et nous dérombons les Pokémon au nom de la liberté. Ah là là, allez, Fifou! Merci beaucoup le Axe. Ouh, Dracos. Ah mais j'ai Crogivre, oh là là. Ah mais j'ai pas soigné mes Poké. Oh, coup de jus. Ok. Putain mais ma team elle est... En vrai, elle est déjà tellement stylée. Le petit feu sacré. Galopa. Oh non mais franchement, non mais faut arrêter au bout d'un moment. Pourquoi vous spammez 70 de précision? Pourquoi j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Oh, 690 d'XP. Le sbire. Tu as sous-estimé, laisse faire une professionnelle. Gapi. Flex pas trop. Oui, oui, pardon, on se calme. Le chat qui est triste que t'accélères la musique de la Team Plasma. En vrai, oui, je peux baisser, s'il vous plaît. Pour les musiques stylées, je peux baisser, mais bon. Teraclop. Ah, c'est vrai qu'il est stylé, la musique. T'as dit 70 de puissance. Mais... Oh, il a torche. Bande de psychorigides. C'est pas grave, vous avez l'habitude, je me trompe tout le temps. Je passe ma vie à me tromper. Putain, le Teraclop torche qui me... Qui me counter. Vous allez continuer vraiment à spammer des infos sur ça, Aragdo. Allez, on a cruel. Voilà. Plasma! C'est un cauchemar. Il nous faut cette fichue brume des rêves. Mais arrête de taper sur ce Pokémon, c'est terrible. Oh, oh, Gettys. Puis-je savoir ce que vous fabriquez? Oh! Notre but ultime est de couper le lien artificiel qui unit les Pokémon et l'imbécile humanité. Oh, il s'est doublé! C'était quoi ce truc? Merci beaucoup. Si vous êtes même incapable de cette noble tâche... Mais attends, mais c'était un bug? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez dit qu'il faut les tromper, les gogo et les manipuler. Oh, Maître de Gettys fait sa tête des plans échoués et des mandales à distribuer. Aïe, il va falloir présenter nos excuses. Mais c'était quoi ce problème? Mais attendez, c'était quoi le bug? Pourquoi il y avait deux? Shanna! C'était quoi? Ce Gettys, il était partout. On dirait même que c'était pas le vrai. Ah oui, non, mais c'était normal. Et ce Pokémon? Bon sang, je ne pouvais plus attendre. Et Mushana? Cha! Na! Oh, il lâche une... Il y avait un Muna, et la Team Plasma, elle est venue. On a vu un rêve, et la Team Plasma est là. C'est clair comme une électrolyse. Les Mushana sont l'évolution des Muna. Celui d'idée a comprendre le danger de sauver son camarade et l'a sauvé en utilisant son pouvoir de matérialisation des rêves. Mais une petite seconde!
Ce serait de la brume des rêves. Après mes recherches, passez me voir au plus tard. Ok. J'en suis toute chamboulée. Allez, je continue à chercher le Pokémon. Achète des antidotes. Oui, putain, bien joué les mecs. On va acheter 3 antidotes. Et 2 antiparas. Et un réveil. En vrai, 2 réveils, 2 réveils. Ok. Ok. Bon, alors, t'as eu ce qu'il fallait, c'est bon, on va pouvoir aller dans le Dream World. Bon, c'est vraiment de la merde. Enfin, je veux dire, c'était très très bien, mais... Super. Bon, ça, c'est tous les trucs de multi, on s'en fout, ça sert à rien. Voilà. On est bon. Ok, allez. C'est bien, maintenant on a un petit fond. On peut pas avoir des trucs jolis là qui s'affichent. Waouh, trop bien, gire. Incroyable, regardez comme c'est beau. En vrai, c'était stylé ce qu'ils avaient fait. Pommé combat double, vous êtes prêts pour le combat double là? Allez, qu'est-ce qui se passe? Let's go. On va unir nos forces pour combattre. Ah mais j'ai giclé d'eau. Le petit feu sacré. Et la petite giclée d'eau. Parfait. Coquillame, un autre stab fort. Trop bien, mais putain, c'est génial. Comme ça, quand on a pas besoin, quand on a plus de PP et tout, là, c'est trop fort. Trop stylé. Oh, des fois, on me laisse jouer avec des Pokémon. C'est quoi ça déjà? C'est la pension, ça? C'est vrai que pour l'instant on a que 3 Pokémon, hein. c'est un peu weak. Hein. Ah mais c'est vrai, c'est vrai que c'est des combats ici. Ouais, c'est la zone. Ouais. T'organises un truc pour les 300 000 sur YouTube. Faudrait déjà qu'on y arrive. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai fait comme ça. En vrai, j'ai de la chance hein, sur les moves, hein. C'est insane. Hein. Pour l'instant, on parle bien, hein. on parle bien. Parle bien. Petit feu sacré. Ouais, il y a plein de combats à la crèche, ouais. Les évolutions sont random. Non, je veux quand même garder... Bon, je sais que j'étais pas obligé de faire Giclédo pour le tuer, mais en même temps, est-ce que c'est pas plus drôle? Allez, on valide un peu avec... Bah non, c'est un combat double, là. C'est pas un combat double, ça? Ah non, c'est pas un combat double. Oh, Barloche! C'est quoi? J'ai pas vu. Bon, on va mettre mais qu'est-ce qui se passe? Derrière la maison, il y a un truc? Bah non. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise?
Il y a des gens qui me disent derrière la maison il y a une sombre boule, je vois rien. Il y a eu un saut. C'est parce que j'ai fait ça, non? Oh, peut-être, ouais. Ouh, coup de langue. Tu one-shot tout. Oh, et le burn! Oui, parce qu'on a ça aussi! Si on one-shot pas le gars, on a 50% de chance de le burn. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on est bien là. Sur qu'est-ce qui se passe là? Non, je pense pas. Allez, saisi. En vrai, la mantine, ça a vraiment des stats nuls, mais bon. Quand même assez fort. Pour le début de l'aventure, en tout cas, qu'est-ce qui se passe va être bien utile. Hein. Ça, c'est sûr. On peut pas laver les badges. Non, on peut pas laver les badges en 5G. Ils l'ont enlevé parce qu'ils se sont rendu compte que c'était un peu de la merde. Sans vouloir être agressif. Hein. Oh, la défense qui baisse. Oh! Trop marrant. Attends, mais c'est quoi la chance de baisser la dev de Coquillam? C'est pas 100? Non, mais en vrai, mais même Coquillam, c'est trop fort en aventure. Quand on y pense. J'ai le petit Giclido quand le Pokémon en face est fort. Et quand le Pokémon n'est pas trop fort, j'ai Coquillam. Non mais... Insane. Début calme. Beaucoup trop fort. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sens qu'on va vite déchanter. Je rappelle que c'est la base, c'est Voltwight. Donc les challenges sont assez corsés. Si on peut les laver... Comment ça on peut laver les badges? Non mais attendez, on peut pas laver les badges. Ah non. Ah non, 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 non. Vous avez rien entendu? Hop, 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 vous avez rien entendu? Là, 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 là. Là, 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 vous avez rien entendu? Vous avez rien entendu? Là, 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 non, non, là, oh, ah, 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 là, 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 là. Là, 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 non, 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 non. Ça suffit. Ça suffit. Ah, il m'a donné des scubables. Non, 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 ça suffit les badges. Hein. De toute façon, il est propre. Je viens de l'avoir, il est propre. Commencez pas maintenant. Clairement, il est propre. Il y a d'autres dresseurs là? Mon équipe a l'air mal en point, mais non, je viens de la soigner. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Élever des enfants, élever des Pokémon, c'est presque la même chose. Vous savez, avoir un chien ou avoir un enfant, finalement, c'est à peu près la même chose, hein, je veux dire, clairement. Oh la Shiren, oh, je suis prêt pour te défoncer. Mais mec, tu vas te faire annuler l'anus. Attends, il a 4 Pokémon quand même. Oh, petit Tentacruel. Oh, le flinch. Comme toujours, tu choisis tes capacités avec talent. Merci, mec. Eh ben, d'accord. Faisons comme ça. Vigoroth. Vous croyez qu'il me dépasse? Non, et le Giclédo! BAM! Qu'est-ce qui se passe niveau 20? Ça y est, on a enfin un deuxième Pokémon niveau 20. Carabaf. Dis donc, heureusement que j'ai un autre Pokémon parce que mon... Il était pas très avantagé, mon autre Poké, hein. Ah non, putain, ça recommence. Feuilloutan. Mais B plus B, il est niveau 11. J'avais même pas fait gaffe. On a oublié de... Ah oui, non, attends, merde, c'est Fouillouton. B plus B, il est niveau 11. Il faut qu'on l'entraîne. Il faut qu'on l'entraîne, clairement.
coup, il a tenté séduction, le bâtard. Et petit feu sacré, là. Pourquoi tu bolosses des gosses à la crèche? Nous avons le même nombre de matchs. Eh oui, tu t'es fait défoncer. Poussez-vous, du large. C'était quoi, ça? Bianca, où tu cours comme ça? Dites, ils sont partis par où? Par là. Pourquoi tu cours comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont vite? Bianca, il est où, mon Pokémon? T'inquiète pas, allez. Oh, il va y avoir un Pokémon de zone. Ils ont volé le Pokémon de cette petite. Allez, on va le récupérer, ce Pokémon. Non. Le mec qui revient en arrière en mode non. 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 Je ne te soigne pas. Rien à foutre. Enfin, je ne t'aiderai pas. Je vais capturer mon Pokémon de zone. Attention! Alors, on l'avait eu dans Blaze Black 2, ce Pokémon. Ce qui ne peut être finalement qu'un symbole. Comment il s'appelait déjà? Victini, je crois. Merci, Bactien. Il a coup de boue. Pour l'instant, il a que des attaques de merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Oh. La force poigne. En vrai, ouais, c'est pas si nul que ça, ce Pokémon. Hein. Comment il s'appelait, le Grotanmorph dans Pokémon Empyrean? Philibert, hein, c'est ça, hein. Bon. Par contre, si tu pouvais rentrer dans la Pokéball... Merci. Vous préférez Victini ou Philibert? Sinon, on peut l'appeler Victibert, hein, un peu comme Vladichon, hein. Pour faire une sorte de mix. Ah ouais, c'est vrai qu'on a des tricanons en plus. Ah ouais, mais j'en ai eu trop là. Je passe Teco. Mais il y a pas Teco aussi, mais je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus d'où ils sortent les noms. Bon, les Victibert, c'est marrant. Je me rappelle même plus d'où ils sortent. Je me rappelle même plus. J'ai l'impression que j'ai des tas de morts dans chaque putain... Oh non! En vrai, alors pour le coup, c'est trop rare dans ce genre de... dans ce genre d'aventure. D'avoir un petit Magikarp, là. Normalement, tu l'as facilement. Oh, on aurait pu avoir Pichon! Putain, deg. Un peu décevant, mais bon, c'est la vie. Il a Danse Lune. Oh, c'est trop, merci. Merci, T2 renforce. Allez, on va par là, let's go. Y'a pas une CT à la con, là? Si, y'a des trucs, là. Oh, y'avait Ningal aussi. On aurait pu avoir un Munja. Les évolutions sont pas random. Non, les évolutions sont pas random. Après, je trouve, si tu mets les évolutions random, c'est trop le bordel. On comprend plus rien, en fait. Faut pouvoir s'attacher au Pokémon. Sinon, ça va rien. 6 Pokémon! Mais écoute, faisons comme ça, let's go. Putain, mais en vrai, on a... Ça, Gicledo plus Écosphère, c'est tellement fort. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il est insane aussi. Ouh, Latias. J'allais dire, quel Pokémon résiste à la fois... Bah, les types dragons. Bonjour, Latias. Bon, il est niveau 12, ça va. Alors, au revoir. En vrai, ouais, effectivement, tu peux avoir un Munja fermeté dans ce genre de truc. Hein. C'est rare, mais tu peux. Onde vide. En vrai, en random, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir un Pokémon avec Cogno Bidon et Extrême Vitesse. Hein. Oh, par contre, le spam feu sacré, c'est insane. Météros!
Le mec, il avait des Pokémon vraiment forts. Il avait Latias, il avait Ronflex, il avait Demeteros. Par contre, on one-shot tout parce qu'on est beaucoup trop fort, mais... Pique. Ah non, pas pique. Mini Draco. Tiens, essaye de tanker ça, va. Sylviane. Est-ce que dans cette version que tu peux les affronter à l'infini, ces dresseurs? Et genre, level up de ouf? Le karma arrive. Arrêtez! Pas de karma pour le premier live. Le premier live, c'est le live de la découverte et du plaisir. Laissez-moi... En plus, franchement, on a déjà perdu le Nuzlocke aujourd'hui, donc bon. Allez, allons-y. Fifou! Tu as demandé s'ils comprennent le langage humain. Allons-y! Ah oui, vous m'avez dit, faut baisser pour... Ah, c'est vrai qu'il est... Le thème de la team plasma est stylé. Hein. Les types sont random. Non, seulement les attaques et les talents. Sinon c'est trop. Ah, on n'a pas regardé le talent, c'est vrai. C'est cruel. Colossinge qui se fait one shot. On est bien, hein. Franchement. Franchement, pour l'instant, on commence bien. Oui, c'est une zone. Mais je sais que c'est une zone, mais là, je peux pas, je suis en combat, les mecs. Ok. J'ai perdu contre la demi-portion. Mais pourquoi on est pourtant le bras armé de la justice? C'est pas la peine de lui rendre son Pokémon. Quoi? Encore un combat? Vous êtes deux. Encore vous! C'est le moment de leur montrer notre légendaire sens de la synchro! Oh là là, encore, c'est reparti! Il a feuille garde. Ah oui, bon. Oh là là. Ah, mais il avait pas un Tentacruel tout à l'heure? Il a pas changé d'attaque, c'est marrant. Allez, Giclédo, au revoir, à demain! Hein. C'est trop fort! Putain, mais Giclédo en aventure, c'est... Le Tentacruel qui peut même pas faire... Oh! En vrai, Giclédo, ça reste ma meilleure attaque. Hein. Ouais. Allez, Giclédo. On l'a pas tué, mais... Oh, Dialga qui fait ma sauce. Le Tentacruel! Oh, ça fait zéro. Il fait zéro. Par contre, il m'a fait Écosphère. Ah, oh, c'est bon, il l'a pas fait sur moi. Oh, putain, heureusement. Encore Giclédo, let's go! Aïe. Oui. Ow. Ah, désolé, Tyrène, mais toi, ton Nuzlocke, il est mort, là. Comme je faisais il y a longtemps. Peut-être si un jour j'ai le mood. Oh là là, le Zigzaton contre le Dialga. Le karma. Mais laissez le karma tranquille. Aujourd'hui, tout va bien. Avec plus et moins. Goélise. Et c'est le dernier, ok. Allez, on écosphère. Je suis sûr que ça tue en vrai. Ça a une. Ce PDF de merde, ce Pokémon. Ouais.
Incroyable. J'ai perdu Plasma. Capture les... On veut libérer les Pokémon. Depuis quand les petites frappes font la loi? Je n'ai pas entendu dire que le vol de Pokémon était justifiable, quelle qu'en soit la raison. Vous les dresseurs, vous faites souffrir vos Pokémon. Mais vous aussi, vous êtes des dresseurs. On vous rend le Pokémon, mais il va redevenir le jouet d'un humain. Quel gâchis. Vous réaliserez la folie de vos actes un jour. Les dresseurs utilisent les capacités de leurs Pokémon. Les Pokémon ont confiance en leurs dresseurs et leur obéissent. Bah, en vrai, c'est un peu abusif, Pokémon, quand même. Attention, zone. Oh, petit Tauros. C'est fort, Tauros, en vrai. Faut que je fasse gaffe, d'ailleurs, ça fait mal aussi. Hein. On lui fait zéro. Bon, attends, vas-y, on peut... Coquillame ne va pas le tuer. Hein. Vu les dégâts... Ah, mais il fait... Il prend zéro dégâts. C'est quoi ce truc? Il a peut-être un talent qui augmente la... Allez. 1, 2, 3. Nice. Comment on va l'appeler, Tauros? On va l'appeler... Qu'est-ce qui est une vache, finalement? Petit passier. Ma voisine. Mon petit chaton n'est pas là actuellement. Il est en train de dormir, je pense. Ma voisine, c'était une grosse vache. Donc on peut l'appeler... on peut l'appeler voisine. Pas mal, Luciole aussi. Bon, en vrai, Muscle, c'est nul. Hein. Oh, il avait calque, cela dit. Ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a de bien? Ma voisine. Masse d'os, plaquage, stabé. Tombe roche. Au calme, au calme, au KLM. Petit, il a corsin. Corsin, très bien. Lui, il a quoi? Il a feuille garde, oui, c'est de la merde. Je peux explorer un peu ici ou pas? Très peu, ouais, très peu. Oh, le petit Majaspic là. Le petit Majaspic pression. Ah, c'est vrai que Majaspic pression aussi, c'était stylé. Hein. Oh, il avait Léa à boire. Hein. Non mais ma voisine maintenant elle est à Paris là, elle peut bien mourir, j'en ai rien à foutre. Tu me diras, de base elle pouvait bien mourir, ça m'arrangeait. Mais... Maintenant disons que j'en ai rien à foutre. Avant j'en avais quelque chose à foutre. Mais... Enfin je veux dire, avant ça m'arrangeait quoi. Enfin bref, vous avez compris quoi, voilà, je veux... C'est une blague évidemment, enfin c'est une demi-blague. Écoutez, on a tous des voisins qu'on déteste... Tunnelier en CT. Attends, est-ce que j'ai des Pokémon qui peuvent apprendre Tunnelier? Mais non, mais c'est abusé en vrai. Les... Tunnelier, c'est tellement fort. Oh, qu'est-ce qui se passe? Peut apprendre Tunnelier à la place de Morsure. Excusez-moi, hein, je voulais m'excuser envers ma voisine qui méritait bien quand même un peu. Toi, Etienne, vous avez réussi à trouver le Pokémon. Merci pour tout, un cadeau. Une canne à pêche. Des soins balles. Oh là là, trop mignon. Oh là 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 là. La demi-blague de l'irrespect. T'es... Vous savez, ma voisine... C'était quand même une sacrée connasse. Hein. Faut quand même dire les choses, c'est-à-dire que... Voilà, vous faites tous les efforts que vous voulez, puis elle vous envoie des SMS en mode « t'as aucun respect », puis la semaine suivante, elle fait une fête de ouf avec 4, jusqu'à 4h du matin, que ce soit pour se venger ou que ce soit juste qu'elle soit juste hypocrite, au bout d'un moment, c'est une grosse connasse, on est bien d'accord. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, hein. C'est vrai que c'est un peu proche encore, mais voilà, quoi. changeons de sujet. Oui, c'est vrai que j'ai eu la... Non mais regardez, j'ai... Non mais qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement forte. Blam.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut aller pêcher dans la première ville, mais bon, on garde ça pour un éventuel problème. Faut garder ça pour plus tard, en fait. Tarsal. Il s'appelait Titou! Élève Titou! C'est trop mignon, l'élève Titou! Élève Titou! C'est une zone, ça, ou pas? Non, on est d'accord, c'est pas une zone, hein. Non, c'est pas une zone. Ça, c'est pas une zone. C'est la même route, hein. Ouh. Oh, peau sèche. Les random talents de... En vrai, tunnelier sur ce Pokémon, c'est logique pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? Il a que des attaques plus ou moins logiques. Un Coquilam, c'est plus ou moins logique aussi. Hein. Ah oui, alors, c'est vrai, c'est les Pokémon machin, là. Tu vois, ces aires de sombre. Alors, fais bien attention. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est trop bien, ça. C'est ici que tu dois choisir tes Pokémon, en fait. Bon, par contre, là, j'ai Giclédo, mais... Oh, le... Et paf! Parfait. Oh putain. En vrai, en fait, il y a tellement de Pokémon hype. Intimidation Fermite en plus. Feu sacré. Et Giclédo. Ouais, il faut que j'entraîne B plus bas. Ça, c'est un dressin. Ouais. Nya. Élève Emma. Oh, ça tueur. Ah ouais, non, mais on a qu'est-ce qui se passe. C'est bon. J'étais en mode j'ai peur, mais pas du tout. J'ai pas du tout peur. Au revoir. À demain. Au revoir, Yves. À tout à l'heure. Latios. En vrai, Latios, c'est chaud du cul, un peu. Hein. Ah, mais attends, mais on a Tunnelier qui est neutre. Nice. Métallos. Eh ben, dis donc. Ça va, la team Métallos Acide Armure? Ça va, la team, meuf? Ou ça se passe comment? Parce que, je veux dire... Parce que moi, finalement, j'ai pas des Pokémon pétés, j'ai juste des Pokémon avec des bonnes attaques. Mais l'autre, il a Métallos, random machin. Eh ben, dis donc. Ça peut tellement... Les Nuzlocke comme ça, c'est ça le problème, c'est que tu te crois safe et puis bah, d'un coup ça peut exploser quoi. Parfait. Eh ben très bien. Eh ben écoutez les mecs, je sais que ça vous rend triste, mais nous allons nous arrêter pour le premier live. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux, c'était incroyable. Merci beaucoup de votre confiance. Merci pour le soutien. Merci pour tout. Je vous surkiffe. Le live n'est pas tout à fait terminé parce qu'en fait, j'ai décidé de faire les level up. De faire le leveling up sur Twitch. Donc là, si vous voulez, on va partir entraîner nos autres Pokémon sur Twitch. Juste que je dis entraînement Pokémon blanc full random Nuzlocke. Alors on va partir sur Twitch pour que la VOD ne soit pas trop longue. Voilà, Pokémon Black White, très très bien. Voilà, donc je vous fais des méga bisous. Le stream n'est pas tout à fait fini. Et en plus, à minuit, alors on changera complètement de Pokémon, mais c'est la sortie de l'extension de World of Warcraft à minuit. Donc à minuit on fera ça. Mais en attendant, il y aura une heure de Pokémon sur mon Twitch.
Cladris, là, mon modo, est en train de vous spammer l'adresse de mon Twitch, donc vous pouvez y aller dès à présent. Et aux autres, je vous dis très bientôt, du coup, la semaine prochaine pour la suite de ce Pokémon Voltwhite en full random Nuzlocke. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss!